Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je reviens juste d'une grande veillée à Zaroko. Zaroko, qui est notre base. Nous sommes à Zaroko. Divo est le centre de culte et de délivrance. Nous revenons d'une grande veillée de prière à Zaroko. Je suis actuellement à Goro. À Goro, parce que nous sommes en train de préparer. Aujourd'hui, nous sommes à cette date du 22. Le samedi 22 novembre 2014. Nous sommes en train de préparer un grand événement. C'est l'arbre de Noël, parce que les enfants aussi de cette région ont besoin aussi de fêter, de célébrer. C'est vrai que nous, en tant qu'évangéliques, la Noël, c'est symbolique. Nous profitons de la Noël pour évangéliser les gens. Donc pour nous, il y a une relève chez les jeunes, surtout les enfants. Il faut les égayer pendant la Noël. Il faut les égayer. L'année dernière, nous avons offert 1000 jouets. 1000 jouets, c'était mes frais. C'était 1 333 000 francs. Mon argent. Et puis j'ai amené deux papas Noël qui a du 22. D'abord, il faut dire que 22, il y a la célébration de la journée de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Il y aura la conférence d'abord à Divo. Et après cet événement, nous aurons, la Noël. Et là, le mois va commencer à partir du 23, 24, 25. Et en même temps, ça sera suivi de tournée de football inter-village au niveau du carton Zata. Je suis juste près du termitière, la termitière du moins, que nous avons détruit le dragon. Donc ici, nous rentrons à Gros pour préparer la Noël, pour permettre aux gens de Gros de célébrer aussi cette Noël avec nous, parce que c'est à Zaroko que nous allons faire l'arbre de Noël. Et nous rentrons à Zaroko, et plutôt à Gros, pour échanger avec la chefferie pour qu'ils nous donnent les meilleurs élèves de Gros. Les meilleurs élèves, quand je parle d'élèves de CP1 jusqu'au CM2, afin qu'ils puissent vraiment. Parce que c'est ça, notre stratégie en place maintenant, c'est de suivre les gens, les enfants, et de permettre qu'ils demain soient la relève des cadres de demain. Voilà, donc je suis à Gros dans le but de préparer, n'est-ce pas, la Noël. Nous sommes à Gros. Donc j'en profite en même temps. Pour tous ceux qui sont à l'Occident, en France, en Europe, aux États-Unis, un peu partout, si vous avez des jouets, faites-nous parvenir ces jouets. Aujourd'hui, nous avons une représentation au niveau de la France, c'est Elisabeth Dobé, celle qui est chargée de vendre des huiles au niveau de Paris, celle qui s'occupe de ça. Donc, si vous voulez des huiles, voyez Elisabeth Dobé. Voilà. Et en même temps, depuis hier, ils m'ont tenu informé des gens, un comité qui est en train de se mettre en place pour, n'est-ce pas, m'a venu sur Paris. Il n'y a pas de problème. Ceux qui viennent déjà sur Paris, mettez-vous ensemble. Ceux qui veulent me voir sur Suisse, mettez-vous ensemble. Et en tout cas, l'année prochaine, en 2015, nous aurons une grande tournée internationale, européenne plutôt. Mais organisez-vous. Organisez-vous en tout cas. Si vous êtes très bien organisé, vous faites un retour. Nous allons aussi nous organiser à notre niveau afin de répondre. Parce que, par moment, il faudrait que nous nous approchions de vous pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter beaucoup de choses. Parce que vous êtes en Europe, c'est pour venir investir en Afrique. Voilà, il est vraiment important que cette année, par la grâce de Dieu, qu'il y ait cette tournée. L'année dernière, je devais faire la tournée, mais malheureusement, j'ai stoppé parce que j'avais plus plein de choses. Mais cette fois-ci, je pense bien que, par la grâce de Dieu, j'aurai l'occasion de visiter l'Europe encore et vous aider spirituellement. Mais en même temps, ceux qui ont déjà des jouets, déjà, vous voyez Elisabeth Dobé, vous pouvez l'envoyer à Elisabeth Dobé sur Paris. Vous pouvez l'envoyer à Elisabeth Dobé, elle peut déjà nous faire parvenir ça, il est joué. Parce que vraiment, nous sommes aujourd'hui le 22 et dans quelques jours, la Noël. Voilà, dans quelques jours, la Noël. Nous ne parlons plus de mois, nous parlons de quelques jours. Parce que la fête va commencer ici. L'arbre de Noël va commencer à partir de, je crois bien, à partir de, attends pour moi, à partir de 23 décembre. Voilà, donc ceux qui ont déjà joué, vous pouvez nous faire parvenir ça. Vous voyez Elisabeth Dobé sur Paris. Voilà, donc, voyez là. Voilà, shalom à tout le monde. Tout à l'heure, nous serons avec la chefferie pour changer. Nous sommes à Gros. Shalom.